Bonjour et bienvenue sur Zaroud pour une nouvelle capsule. Si vous n'êtes pas abonné, ça clique en bas pour suivre toutes les nouvelles aventures que je fais. Aujourd'hui, on est à la ferme Queen, une ferme familiale à l'île Perrot, dont ils offrent la cueillette de pommes, de citrouilles et de plein d'autres. Il y a une ferme avec des animaux, donc on va aller explorer ça et voir et parler avec un des propriétaires de la ferme. Suivez-moi! Alors, allons cueillir des pommes. Ici, on a des Spartans et des Empires. Allons-y! Certaines allées sont un peu plus tapées, donc c'est plus facile de circuler. Surtout là, sur le côté de se promener, puis d'être accompagné. C'est ça, pour aller chercher des pommes un peu plus loin. Mais au moins, là, ça dépend des allées. Mais c'est ça, c'est quand même bien tapé avec du gazon et tout ça. J'ai pas inventé d'échelle adaptée encore, mais je suis sûre que ça s'en vient. Alors, on est présentement dans le champ de courges avec une grande variété, comme vous pouvez voir. Donc, on va aller cueillir des courges. Et des citrouilles. Des citrouilles. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une petite ferme avec des animaux. On va aller faire un petit tour. C'est sur la ferme parmi plusieurs autres stations. Alors, je suis présentement avec Philippe Queen de la ferme Queen. Alors, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Hey, plaisir, merci d'être là. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu de l'historique. Quand avez-vous acquis là, la ferme? Moi et mon épouse, on a acquis de mes parents en 2009. Mes parents ont commencé initialement en 81. Oui. commencé de zéro. Le stationnement qu'on voit ici, c'était le premier champ de fraises. Il n'y avait aucun bâtiment, aucune culture. Ils ont vraiment... En famille, on a travaillé vraiment fort pour monter ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, oui, de partir de zéro, là, de tout construire. Ça, j'ai remarqué, vous avez plusieurs stations, plusieurs services, là, soit d'autocueillette ou de... Oui, on commence de bonne heure dans la saison avec la saison des sucres, le sirop d'érable. Ouais. Et puis, on termine avec les sapins de Noël, puis on fait...
pas mal tout entre les deux. Les pommes, c'est ça, que j'ai pu voir là, pour la cueillette des pommes. Les petits fruits l'été, les légumes, maïs sucré, la cueillette de maïs sucré, c'est vraiment fun, ça. Et puis les courges, pommes. Et puis on fait le popcorn aussi, le maïs popcorn au mois de novembre. OK. Ouais. Wow! Fait quand même plusieurs services. Oui. Puis j'ai vu, c'est ça, j'ai pu aller dans la charrette, tout ça adapté. Vous avez, c'est vraiment super. On en a deux sur la run, là. C'est toujours les deux premières à partir le matin. Puis quand on rajoute des charrettes, ceux-là, on essaie de les séparer également. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Non, c'est ça, c'est vraiment. Oui, puis quelles améliorations, c'était parlé, ça, vous vouliez faire éventuellement là, pour... On a déjà des sentiers en gravier pour se rendre dans l'aire de jeu et tout, mais ça serait bien de mettre ça en béton, beaucoup plus facile d'accès. Pour les pousse-pousse, pour les fauteuils roulants, tout le monde, c'est juste ça, c'est un projet à venir. Là, ça. C'est ça, c'est là, c'est en ce moment, c'est ça, ça a été plus une réorganisation et tout. Là, Travail, mais on a fait un énorme bout de chemin. Et puis pour la cueillette dans le verger, les pommes, c'est un challenge des fois. Mais on a des bons amis aux États-Unis puis en Ontario aussi. Ils ont pris un vieux deck de camion. Ils ont enlevé les roues puis on a seulement le frame et le deck. Puis on a une rampe pour monter. Et puis à mesure qu'on change de section, le deck peut être tiré par un tracteur, quoi que ce soit, installé. Puis c'est une section accessible. Non, c'est vraiment super. Ça, c'est à venir. Là. On espère bien pour l'automne prochain. Oui. Faut que je me trouve un vieux truck à quelque part. Puis j'imagine, c'est ça, jusqu'à l'hiver, c'est ça, pour les sapins. Puis après ça, c'est la préparation, j'imagine, pour la. C'est ça, on n'arrête pas bien longtemps à Noël. Ouais, deux semaines, puis on recommence. Non, mais c'est vraiment super. Vous avez la boutique également, où est-ce que vous offrez le service? Oui, une super belle boutique avec toutes sortes de produits du terroir, des produits faits sur place et puis des produits de la région. Oh non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment un beau coin, Salée le Perreault. Merci beaucoup pour cette mini-entrevue. Puis le chemin aujourd'hui, là, ça a été super là, avec... C'est bon de l'entendre, merci d'être passé. Merci beaucoup.